Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi oui, j'ai un peu de temps aujourd'hui puisque je suis d'après-midi au boulot. Donc du coup, j'ai toute ma matinée devant moi et j'ai décidé de vous faire une autre petite vidéo. Alors, ça sera une vidéo tout simplement des réexplications des conditions de participation. Voilà, parce que je pense que j'ai dû oublier certaines choses dans mon autre vidéo. Peut-être que je les ai dit et qu'il y en a qui sont pas fait attention. Je ne sais pas, mais du coup, j'ai décidé de refaire une réexplication sur le concours. Donc, le concours prend fin donc le 30 juillet, et là où je ferai les résultats. Voilà. Donc, vous avez encore largement le temps de participer. Voilà. Ne faites pas attention au bruit de ma voix, puisque j'ai été malade la semaine dernière, j'ai eu une rhinopharyngite. Et donc du coup j'ai encore un peu de reste, donc j'ai encore un bon rhume, donc voilà. Je venais vous faire une vidéo tout simplement pour vous réexpliquer les conditions de participation. Donc pour pouvoir participer à ce concours, il faut déjà être abonné à ma chaîne. Voilà. Mettre un pouce bleu en avant, me mettre un commentaire, donc le nombre de sachets que vous pensiez deviner, et je tenais à vous faire rappeler que le premier chiffre que vous mettez en commentaire, c'est le premier que je valide. Tout simplement parce que si tout le monde change le chiffre, je ne m'en sortirai jamais. Donc du coup, et puis je ne veux pas que ça fasse de tricherie. Donc je préfère prendre le premier chiffre que vous m'avez marqué. Donc j'ai tout simplement noté sur un de mes calepins tous les donc en dans l'ordre des commentaires tous vos prénoms et les chiffres que vous m'avez mis. Donc par exemple, le premier commentaire que j'avais eu, c'est Chris Color et elle m'a mis que elle devinait 17 sachets. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Donc la dernière participante, c'est Lou-YTB. Donc voilà. Sauf que bah, du coup, je ne peux pas encore valider ta participation. Tout simplement puisque tu es mineur et que je n'ai pas encore l'autorisation de tes parents. Donc je t'ai bien expliqué en commentaire sous ton commentaire en fait que tu as mis, que du coup je ne pouvais pas prendre en compte ta participation puisque je n'ai pas d'autorisation parentale. Alors je t'ai bien donné mon adresse mail, donc si tu veux je te la répéterai en barre d'infos, tu auras juste à aller voir. Mais je ne peux pas valider ta participation puisque je n'ai pas d'autorisation parentale. Alors, vous allez certaines me demander, mais pourquoi tu veux une autorisation parentale pour ton concours? Tout simplement, parce que je ne veux pas avoir de problème. Puisque si les parents ne veulent pas que cette jeune fille ou ce jeune garçon transmette son adresse postale, je n'ai pas envie d'avoir de soucis, voilà. Parce qu'il y a des parents qui ne veulent pas transmettre leur adresse postale à des inconnus, voilà. Moi-même je ne vous connais pas hein. Vous me voyez mais moi je ne vous connais pas, je vous ai jamais vu voilà, etc. Donc je ne veux pas avoir de problème, donc oui je demande une autorisation parentale qui sera je vérifierai hein, quand même, parce que si je vois qu'il y a assez bourré de fautes ou que les phrases sont pas trop voilà. Je pense que je suis assez. Enfin, j'ai quand même 27 ans, je suis quand même assez adulte pour savoir si c'est les enfants qui ont écrit ou si c'est les parents. Voilà. Ensuite, j'ai eu une personne donc, qui est donc le 9e participant, où là, donc j'ai validé. Maintenant, il est validé. Au premier commentaire, il m'avait mis qu'il s'est bien abonné, qu'il avait bien mis un pouce bleu et qu'il devinait 13 sachets. Donc sa chaîne, c'est Men. Alors je ne sais pas si je vais bien le dire, ton nom, je suis désolée hein, si je le prononce mal.
C'est Sun Kunti. Alors, Men Sun Kunti m'avait mis à la base qu'il devinait 13 sachets. Et par la suite, j'avais vu qu'il avait changé son chiffre et qu'il avait mis 19. Alors, je lui ai répondu que du coup, je ne prenais pas en compte le deuxième chiffre qu'il avait mis, puisque je prenais le premier chiffre qui était validé, donc le chiffre 13. Du coup, il a rectifié et il a bien remis son premier chiffre qu'il avait mis. Voilà, tout simplement pour vous réexpliquer ceci. Puisque sinon je ne m'en sortirai pas et je ne veux vraiment pas que ça fasse de tricherie. Voilà, donc je vais vérifier après plus ou moins certaines personnes s'ils sont bien majeurs et s'ils sont bien abonnés à ma chaîne. Bon, le pouce bleu n'est pas spécialement obligatoire, mais s'il y est, tant mieux. Et voilà, je demande pas grand-chose en condition de participation, mais le peu que je demande, je voudrais vraiment que ça soit respecté. Voilà. Ensuite, tout simplement, je voulais vous faire montrer que j'ai commencé à faire donc les lots pour les deux gagnantes. Voilà, pour les deux futures gagnantes, parce que je n'ai... Enfin, par rapport aux commentaires que vous m'avez envoyés, j'ai quand même les deux premières. Enfin, les deux premières. J'en ai déjà. Dans tous les commentaires qu'il y a, il y a déjà les deux. Il y a déjà les deux futures gagnantes. Après, à voir si j'ai d'autres commentaires ou pas. Donc là, dans cette pochette-ci qui fait un peu couleur marron, enfin du couleur gold, on va le dire, il y a déjà donc des lots. Vous voyez, j'ai déjà mis des petites choses à l'intérieur. Donc, comme je vous ai dit, je ne vous ferai pas montrer les lots puisque ce sont des lots surprises. Voilà. Ensuite, dans cette deuxième pochette qui est de couleur un peu. C'est un peu doré. Voilà. J'ai mis donc certaines petites choses aussi à l'intérieur. Donc là, on voit pas trop. Hop, voilà. Tac. J'ai mis des petites choses aussi, donc je ne vous ferai pas montrer puisque ce sont des lots surprises. Voilà. Donc j'espère juste que ce concours vous plaît, que mes lots que vous allez recevoir pour les futures gagnantes vous plairont. Et puis voilà. Donc j'espère que j'ai été claire dans toutes mes explications et si je n'ai pas été claire, ben dites-le moi en commentaire, comme ça moi je vous répondrai plus facilement. Et puis ben, bonne chance à vous toutes pour celles et ceux qui ont participé. Et je vous dis donc au 30 juillet pour les résultats du concours. Et je tenais à vous informer aussi que je ne ferai pas trop de vidéos dans le mois prochain, c'est-à-dire le mois d'août. Tout simplement parce que mon conjoint est en vacances au mois d'août et moi je suis pas en vacances hein, parce que mes vacances c'est en octobre. Je tenais juste à vous informer que je ferai moins de vidéos puisque les jours où moi je serai en repos, bah, j'essaierai d'en profiter d'être avec mon conjoint qui lui sera en vacances. Voilà. Donc j'espère que vous ne serez pas trop déçus. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.